général. Tout ce qu'on a, c'est des années de travail. Ne blâme pas ma rage à la taille. Et si aujourd'hui on s'enjaille, c'est la vie, oh. I'm gonna shut it down till you turn off me light. Sweet melodies every day, every night. And tell me calling out my girl for the night. C'est ma vie, oh. C'est validé, là-haut, c'est validé, c'est validé, c'est validé, là-haut, c'est validé. Parfois on dit si t'es pas mort, c'est pas fini, oh. On a bossé, on va chiller, tout le monde à bord, oh. Alors on va chiller, 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 chiller. Venez, on va chiller, 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 chiller. Alors on va chiller. Chiller, chiller, chiller. Venez, on va chiller. Chiller, chiller, chiller. Parce que c'est la vie. C'est ma vie, oh, c'est ma vie. J'ai bossé pour ça, c'est la vie. C'est la vie, oh, c'est la vie. General, when you are sweet, big up. You can tell me nothing, shut up. I do the beats and me fans them cheer up. I drive around and me enemies pull up. C'est confirmé, c'est confirmé. Là-haut, c'est confirmé. C'est confirmé, c'est confirmé. Là-haut, c'est confirmé. Parfois on dit si t'es pas mort, mais c'est pas fini, oh. On a bossé, on va chiller tout le monde à bord, oh. Alors on va chiller. Chiller, chiller, chiller. Venez, on va chiller. Chiller, chiller, chiller. Alors on va chiller. Chiller, chiller, chiller. Venez, on va chiller. Chiller, chiller, chiller. Parce que c'est ma vie. C'est ma vie, oh, c'est ma vie. J'ai bossé pour ça, c'est la vie. C'est la vie, oh, c'est la vie. C'est pas la magie, mon frère. Life is a push. Keep pushing. Life is a... Vous savez, nous sommes à une période maintenant là où chaque seconde qui passe, ça impose une certaine réflexion maintenant. Chaque seconde, chaque minute qui passe. Parce que tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi pas? En train de te poser certaines questions, je doute si tu es prêt qu'il y ait un changement pour l'année prochaine. Parce que je répète et je continue toujours à dire, la vie, c'est un bilan. Chaque seconde, chaque minute qui passe dans ta vie, tu as certaines questions que tu te poses. Quel est le bilan? Parce que c'est ça qui te motive ou c'est ça qui te démotive. Parce qu'il y a une chose quand même qui te provoque à être en action ou ça te décourage. Parce que l'homme est fabriqué d'une manière là où, en permanence, il y a deux forces sur l'homme. Et ces deux forces sont en permanence en concurrence. Force négative et force positive. Et à chaque moment où tu penses à quelque chose bien pour ta vie, force négative et positive sont en concurrence. Tu peux faire ça pour l'homme prochain. Tu commences toujours à procrastiner dans ta vie. Alors, ça c'est une phase de capital. Il faut beaucoup de résolution. Mais tu dois être prêt à être celui qui est prêt à continuer à pousser jusqu'à ce que tu arrives à la destination. Et avoir une photo mentale de ta destination. Parce que quand tu as une photo mentale de ta destination, tu ne connais pas là où tu vas. Tu ne connais pas là où tu vas. Et j'ai dit, dans le chemin du succès, on ne dit jamais qu'on est mieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas être comme on va le dire, parce qu'on n'a pas compris la décision. Il y a la prise de la décision consciente et la prise de la décision inconsciente. Et au moment que tu ne prends pas la décision, c'est une manière indirecte que tu as déjà pris la décision. Et c'est la décision pour échouer. Alors quand tu dis que je n'ai pas compris la décision, tu as déjà pris la décision d'une manière indirecte. C'est la décision de l'échec. Parce que quand tu n'es pas en action, il y a rien qui va changer. Et une manière de faire une sorte de voir introspection, s'admirer, avoir un niveau mental, poser
certaines questions. Est-ce que vraiment je suis prêt à prendre cette résolution? Mais je continue à dire, je viens pour attaquer cette catégorie de mentalité là où ils sont toujours en train de faire, mais c'est comme si ça ne tombe pas. Et je suis là pour les dire, continuez à pousser. Continue à pousser. Continue à pousser. Ne te décourage pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est comme si toi et moi, nous sommes dans la même position. Mais laissez-moi te dire, c'est pas même effort. Là où je me trouve, que c'est comme si nous sommes dans la même position, il y a certaines choses que je fais, que j'attends à une récompense. La rentabilisation, l'effort. J'attends à une récompense. Et je suis certain. Je suis en train de naviguer avec cette certitude qu'il y aura quoi? Le résultat. Il y aura le résultat. C'est là parce que je suis têté, je n'ai pas une enfant. Tu es aussi têté, tu n'as pas une enfant. Je suis thèse, je n'ai pas une enfant. Tu es aussi thèse, tu n'as pas une enfant. Ça veut dire que nous sommes au même standard. Non. La catégorie des gens que je viens attaquer aujourd'hui, c'est les gens qui continuent toujours à pousser. Qui continuent toujours à pousser. Les gens qui continuent toujours à t'abonner de sa mort. Mais c'est comme si ça ne change pas. Je dis, vas-y, continue. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. C'est comme si il n'y a pas de résultat. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Tu es en train de préparer ton histoire. Et avant d'arriver à la victoire, il faut une bonne histoire. Allez, ça fait. Et tu ne veux pas n'importe quel résultat. Continue à pousser. Continue à pousser. La vie se pousse. La vie est du quoi? Il pousse. Continue à pousser. Allez, ça fait. Dieu va dire traditionnel, on va essayer de définir selon notre contexte, notre système. Quand on dit continue à pousser, la pousse, c'est quoi? Allez, ça fait. Je dis, it is the ability to move ahead. Or fought by stating pressure without striking. Are you certain? Yeah. By stating pressure without striking. Cette capacité là où tu es conscient de tu as dit d'avancer. Are you certain? Yeah. C'est quoi? Il y a une pression positive constante. Mais, tu ne frappes pas n'importe comment. Il y a vraiment une sorte d'avancement. Tu as peut-être avancé. Allez, cette capacité d'avancer, cette capacité d'être conscient que je suis en train de faire un pas d'avant, ça vous frappe. Avec quoi? Une pression positive constante. Une pression positive constante. Contre du soir. Contre du soir. Tu acceptes de quelque chose. Tu es mal à l'aise positivement parce qu'il y a une réalité que tu vas voir. Comme tu dis, je prends un exemple pour moi. Ce qui donne une forme ancienne d'espoir de supporter sa douleur, c'est parce qu'un chat, après 9 mois, il va marcher. Mentalement, elle connaît qu'après 9 mois, la femme va sortir. Alors elle supporte parce qu'elle est consciente. C'est la manière que quand tu es en train de pousser, quand tu es en train de frapper pour ouvrir cette porte du succès, dans ta tête, notre tête, et les obstacles là viennent du sport. Parce qu'il y a une destination mentale. Et ce que tu cherches à faire, c'est transformer ça en réalité. On se moque de toi sur le terrain par rapport à la décision que tu as prise. On se moque de toi parce que ce que tu dis, c'est comme si tu parles grand, mais on ne voit rien. On te voit comme quelqu'un vide dans la tête. D'accord? Continue à pousser. Ça vient avec certaines blessures. Ça vient avec certaines douleurs. Comme tu dis, tu fais quoi? Tu refuses quoi? La plaisir ou les plaisirs de la vie. Mais pour accepter quoi? La pression de la vie. Il y a certaines choses que tu refuses. Tu parles, tu as tout. Les opportunités à faire, mais tu dis non.
m'oblige à pratiquer certaines disciplines. Tu continues à pousser. Tu continues à frapper fort. Parce que tu es convaincu que le village, tu le sauveras. Tu es convaincu. Tu es convaincu. Je veux sauvegarder. Et tu es déterminé dans ça. Cette capacité d'avancer juste avec une pression positive constante, mais sans frapper. Et j'ai terminé aussi dans l'avancée. Comme quoi, une quantité quoi maximale, quelque chose pour continuer. Parce que n'importe quoi que tu fais, la manière que tu peux faire grandir la chose est déterminée par quoi? La capacité que tu as par quoi la chose. La capacité que tu as par quoi la chose. Quelqu'un m'a dit que ce que je fais, je gagne par moi, que ce petit 10 millions. Toi, tu vas dire quoi? Moi, je gagne 100 000 que c'est trop. Ça, tu es différent de capacité. Il y a certaines plus qui peuvent prendre que tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette capacité. Il me coule cette plus. Il y a cette capacité. Alors, chaque fois que vous descendez sur le terrain, même quand on lit le bilan, vous écoutez la performance de chacun. Il s'agit des capacités. C'est quand l'autre peut faire que l'autre ne parlait pas faire. Et quand on commence à poser des choses, ils en sont là. C'est la capacité. Allez, déjà. Et je dis, remember, you came into this world to a push, to fulfill a purpose. And because of that purpose, you need to give your mind the necessary energy and enthousiasm. Quand j'ai dit la vie, c'est quoi? C'est quoi? C'est une poussée et continue à pousser. Qu'est-ce que je veux pas dire? Même la façon qu'on t'a poussé, il a fallu que ta maman pousse avant que tu sors. Alors ça commence même bien au début là où on t'a poussé. Même là où on t'a poussé. Aïe, c'est bien. Maman a fait quelque chose avant que tu sois. Mais c'était une douleur positive. Parce qu'elle savait qu'après cette douleur, il y a une bonne nouvelle. Il y a un sourire qui va sortir. C'est pas que dans toute cette douleur, même quand elle pleurait avant de pousser, quand tu es sorti, toute cette douleur là est partie. C'est mystérieux. C'est une passe un peu, c'est un peu mystique là. Tu n'arrives pas à expliquer, mais c'est la vérité. C'est la même chose quand l'histoire a changé. On te dit que voilà ce que tu as traversé. Tu commences à parler de ça avec beaucoup de sourire. Et tu commences à dire, il a fallu ça. Parce que le problème, ce n'est pas tombé. Mais comment se lever quand tu tombes? Comment se lever quand tu tombes? C'est ça qui est important. Et est-ce que tu es prêt à dire là que c'est pour toi? J'ai écouté le discours de Samuel Odio. Quand on faisait le ballon de Camerounais, quand on faisait cette samedi-là, j'ai écouté son discours. Et il a dit, dans sa carrière, il était toujours habitué à dire, avant que le match finisse, il dit ce qu'il doit faire. Et il dit, quand il a fait cette analyse, dans ses 25 ans dans le foot, il a constaté que à 90%, tout ce qu'il disait, il réalisait. Tout ce qu'il disait, il réalisait. Et il a rappelé la première dame, maman chantait bien. Et qu'est-ce qu'il a dit? Maman, vous vous rappelez quand on allait en Mali, on n'était pas bien managé. Les joueurs se pleuraient. On vous a béni. Il vous dit que maman, on vit dans les mauvaises conditions. Maman fait quelque chose. Et ça peut être dit. Là, dans quelques heures, on peut y aller avec quelque chose pour motiver les gens. Et ça veut dire qu'il a dit tout ce qu'on dit, on va rentrer avec la course pour honorer notre maman. Et il dit à la fin, c'est ce qui s'est passé. On est rentré. Tout le monde s'est levé. Ils ont commencé à parler. Il y a le résultat. Dans sa tête. La réaction est différente. Allez, dans sa tête. Le problème que parfois tu as peur de parler, c'est parce
ça ne marche pas. Et dit, maman, j'essaie de faire tellement de choses que je sais que vous avez déjà oublié l'autre aussi. Mais je vous rappelle, c'est que vous avez envoyé, ça nous a menti. On avait soif de la diable. Et on est la diable. À côté de cette invitation. Et aujourd'hui, je suis content que vous avez honoré cette invitation de venir à cette cérémonie de ballon des temps. Et à ce moment, vous ne venez pas que je suis encore un jeune homme. Vous venez à Jésus-Christ, président de l'Afrique. Alors, elle dit, comme je vous avais promis, comme dans la table à côté, je vous promets, avec votre présent aujourd'hui, il faut quand même savoir une autre dimension. Alors, quand c'est ça, il y a à pousser. Même si ça se passe comment, même il y a des choses, d'accord, comment. Même si aujourd'hui on t'insulte, on te lance les mots, continue à pousser. Est-ce que tu peux bien dénigrer ta destination? C'est ça la question. Tu connais là où tu pars? Est-ce que tu es prêt que si tout le monde t'abandonne, tu vas toujours résister? Est-ce que tu es prêt que si tu mets ton convoi, qu'on te donne aujourd'hui à la maison, tu vas toujours. Parce que tu es venu, il a fallu que ta maman te pousse. Avant que tu sortes, tu existes sur cette terre. Et j'ai dit, l'impact que tu es venu et tu existes sur cette terre, tu viens pour que tu as quelque chose à accomplir. La face, là où quelqu'un a fait en sorte que tu es sorti, est passé. Tu es venu à la face là où c'est toi-même qui dois te pousser pour que tu arrives à ta destination. Dans le ventre de ta maman, c'est elle. Qui a fourni ses efforts. Mais maintenant, avec la réalité de ta vie, c'est toi. Il n'y a personne qui va te dire qui tu es. Si tu ne parles pas d'abord à bien vivre. Sinon, tu vas marcher sur l'opinion des gens. Et laissez-moi vous dire, la majorité de ces opinions seront les opinions négatives. Les opinions qui fait en sorte que tu penses que tu ne peux pas réussir parce que tu es nanté. Qui fait en sorte que tu as fait beaucoup de erreurs. Et ça fait en sorte que tu te culpabilises, tu te condamnes. Même quand tu fais quelque chose, là tu fais une erreur et on se moque de toi, tu abandonnes la chose. Pourquoi? À chaque n'importe quoi que tu fais, on sait que tu as été marginalisé. On sait que tu as dit que tu es un fourrier. Tu es un zéro. Pourquoi? C'est comme ça que tu as grandi. Tu ne parles pas avoir une bonne définition de qui tu es. Pourquoi? Tu n'es pas prêt à toujours continuer à pousser. La Bible dit, donne-moi ce que tu veux. Mais ça te donne ce que tu commandes. Il y a une manière que tu commandes ta journée. Il y a une manière que tu commandes ta journée. Parce que tout commence avec toi. Tout commence avec toi. Are you understand? Yeah. Et quand tu as compris que tu dois continuer à pousser pour arriver à ma destination, j'ai dit que quoi? Remplis ta pensée avec cette teneur d'énergie et l'enthousiasme. Et quand on parle de la pousser sa pensée avec certains degrés d'énergie, on parle de quoi? Il faut bâtir son attitude mentale. Il faut bâtir son attitude mentale. Quelle que soit la pensée négative, reste positif mentalement. Donne une vie à ta pensée. Quelqu'un dit la plus grande nation, c'est quoi? Ce n'est pas l'État, c'est quoi? L'imagination. Parce qu'avant que l'État soit construit aujourd'hui, tout a commencé dans la tête. Ça a commencé comme une vie. Ça veut dire que tu as le plus grand monde que tu marches avec la terre, mais tu ne connais pas. Qui est quoi? Ce qui est dans ta tête. C'est ce qui est dans ta tête. C'est là où tout commence. Quand Saul dit à David, Goliath est trop grand, tu ne peux pas finir le gars là. David a dit, il est trop grand d'une manière là où tu ne peux pas au contraire, perdre cette victoire. Parce que la volonté de ton grand, n'importe quoi que je fais, regardez, je veux me soutenir et je veux gagner. D'abord, commencer sa victoire mentalement. Il a commencé sa victoire mentalement. Et parce qu'il a commencé sa victoire mentalement, regardez, c'est comme les gens voyaient physiquement. Il a déjà quoi? Ça n'a pas décidé mentalement.
dis. Dans sa haut, il dit non, le gars est trop gros. Mais quand même, tu vas me parler, tu vas faire comment? Il dit non, c'est que j'ai. Il est trop gros que je peux perdre ce genre de combat. Mentalement, il a d'abord eu cette victoire. Ce n'est pas l'opinion des gens, mais il s'agit de ce que tu vois et comment tu as fabriqué ta pensée. Derrière la chose. Allez, Satan! Pendant le moment que tu as été le poussé pour aller à la destination, il y a certaines situations qui nous arrivent. Première, peu sont les gens qui vont constater que parfois tu vas s'appeler avant d'arriver à la chance. Why are pushing? At that stage of pushing. Very few people will notice that there are moments that you have to trick. You have to trick for a very far distance before coming to the agency. Personne des gens, ils vont constater, il faut couvrir une longue distance à pied avant d'arriver à l'agence. Pendant ce moment que tu as envie de pousser, personne des gens qui vont constater que tu n'as pas dans la route. Very few people are going to discover that you are even homeless. Very few people will even sympathize with you. Personne sont les gens qui peuvent même sympathiser avec toi. Que c'est comme ça que tu dors. Allez, les gars! C'est comme ça que tu dors. Quand tu n'as plus de sang, tu n'as pas l'autre. Là où ça te plante, c'est là. Mais tu restes là. Peu sont les gens qui vont constater que tu peux passer continuer, tu n'as pas encore mangé. Heureusement qu'il y a l'eau minérale. Mais même quand tu ne manges pas, avec l'eau minérale, si tu es ton système reste toujours bon quand même. Peu sont les gens qui constatent, peu sont les gens qui constatent que parfois, tu vas porter tes pantalons, ça va se déchirer, déchirer, tu vas ajouter avec tout ça les tissus, parce que c'est le seul pantalon que tu as. Voilà ta réalité. Voilà ta réalité. Tu n'arrives pas à flasher, mais tu as l'espoir que ça va changer. Tu as l'espoir que ça va changer. Tu n'arrives pas à manger. Tu as l'air de remplir les 5 étapes de la famille. Première étape, mot de tête. Deuxième étape, le ventre. Troisième étape, on appelle ça la dimension prophétique. Tu commences à voir des images qui n'existent pas. Aïe, Satan! Aïe, étape! Aïe, Satan! Tu es sur place, mais tu fais un mouvement mental. Parce que tu vises la logique quelque part. Cinquième étape, tu connais tous les événements. Et tu as envie de mesurer quel événement peut être un peu grand selon la quantité de logique qu'on peut servir à quelqu'un. Et quand tu arrives là-bas, tu commences à se comporter comme une relation de la famille. Quand les septembre viennent avec la route, tu ne parles pas. Alors que tu quittes la dimension du plat avant de voir si ça va partir là-bas ou ça va venir avec toi. Et quand tu vois un gros poids là, que tu as déjà dit non, ça peut me prendre 3 jours, tu fais ça. Donne-moi, je vais donner la raison. C'est quand tu marches, on constate que la manière que tu utilises les gens, tu ne fais même pas partir de la famille. Alors que c'est la famille qui te donne tous ces indicateurs. Personne ne gêne. Je connais un gars aujourd'hui, c'est un bon conseiller. Il a dit, il est parti dans un événement. La pauvreté a pris sa tête jusqu'à est parti dans un événement. Il a ciblé comment on mangeait là-bas. Et il a insisté qu'on lui donne deux morceaux de poulet. La personne a insisté suffisamment avec un seul morceau de poulet. Il a pris ça. Il a mis dans sa veste. Il a mangé le riz. Il a mis ça dans sa veste. Il est dans sa veste. Et quand il est à la maison, il a coupé ça. Coupez ça. Il dit c'est sorti à 5 ou 7 morceaux comme ça. Il a mangé 5 minutes là, 2 à 3 jours. Regarde comment la famille provoque la créativité. Mais tu vas jamais m'écouter qu'il est parti voler quelque part. Il a accepté sa situation. Tu vas jamais écouter qu'il veut créer l'impression qu'il est comme ça. Il a accepté sa situation. Aujourd'hui, quand il dit à quelqu'un, reste fidèle, accepte ta situation. Il dit, selon d'où il vient, il a été là-bas. Ça peut être la situation de A aujourd'hui. Ça peut être la situation de B aujourd'hui. Là, tu ne connais pas si tu vas me manger aujourd'hui. Tu ne connais pas si tu vas me manger aujourd'hui. Et quand tu te sens sur le terrain, tu refuses de pratiquer les mauvaises habitudes du travail. Parce qu'à tout prix, tu veux vendre pour avoir l'argent. Et à ce moment-là, tu refuses. Que tu as envie de pousser. Personne qui vont constater que tu peux passer des semaines.
tu n'as pas 100 francs. Et quand tu as 500, la monnaie que tu cherches, quelqu'un dit que tu es 6. Tu dis que tu t'en fous. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre où tu viens. Quelqu'un dit que tu es 6. Je te demande ce que tu veux. Seulement 500. C'est seulement 500. Mais pourquoi 500 et pas 500. Quand tu vois ma lettre, pourquoi tu as tête de pousser? Tu veux réussir honnêtement. Tu ne veux pas la pousser. Tu sais que ça va t'attraper les hommes. Tu peux réussir honnêtement. Parce que tu as compris, il y a des actes qui réussissent honnêtement. Il y a des actes qu'on n'accepte pas, il y a des actes honnêtes sur cette terre. Il y a des actes qui ont réussi honnêtement. Sont pas riches, honnêtement, ils sont riches. Ça existe encore. Ça existe encore. Donc, on se voit, quelle est la définition, la définition de ta valeur sociale. C'est pour cela que le slogan de CS, ça veut dire que quoi? Le succès n'est pas qui tu es ou ce que tu représentes, mais ce que tu fais. Et quand tu dis ce que tu fais, ça finit. Tu finis à être quoi? Tu finis à être quoi? Tu finis à représenter le système. Tu finis à être quoi? Le système à l'expérience. Tu finis à partager ce que tu avais à d'autres personnes. Mais si tu n'as pas fait ça d'une manière honnête, quelque temps ça va te faire. Pas, ça va prendre le temps pour le mettre bien. C'est la meilleure des choses que c'est lui qui a fait ça honnêtement, il va te dire. Ça fait. Et quand ça vient en termes de récompense, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. C'est même pour conditionner. Parce que tu sais, tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Exact. Exactly. See. Remember, your value does not increase based on someone's opinion about you, especially negative opinions. Refuse d'accepter une définition négative de toi. Je vais toujours dire, même si quand ça sort de ton manager développeur, ça va rien te faire si tu prends ça constitué, tu travailles sur ça. Mais ça va continuer à manifester sur toi si tu refuses et tu ne te mets pas au travail. On se comprend? Ça aura jamais un résultat sur toi si quand on te dit tu prends ça constitué et tu te mets au travail. Mais ça aura des conséquences si quand on te dit et tu prends ça positif. Mais tu ne te mets pas en train. À un moment, tu vas tellement te poser des questions. Pourquoi ça ne donne pas? Et la vérité, c'est que tu as la réponse. Parce qu'au moment que tu poses la question, la conscience te donne la réponse d'une manière automatique. Simple, c'est une sorte de réflexe. Quand tu poses la question, c'est comme ça la réponse sort. Parce que toi et toi seul, tu connais. Après, tu ne peux pas te mentir. Tu connais ce que tu dis avant. Tu connais si ce que tu dis c'est la vérité ou pas. Tu connais. Dans le sens de quoi? Ce qui est vrai est la vérité. Ce qui est vrai, ça vient en termes de quoi? Circonstances. Comment on peut faire quelque chose comme ça? Quelqu'un vient dire ce qui est vrai. Mais c'est la vérité. C'est une personnalité. C'est une personnalité. On peut être si on est en train de parler. On est en train de parler. Après, on dit. Mais André, tout le monde parle. Tu n'as pas encore parlé. Pourquoi on laisse André parler? Parce qu'il porte une personnalité de la vérité. On a qu'à constater que chaque moment, ce qu'il dit, on constate que c'est la vérité. Ça devient une personnalité. Ça devient une personnalité. C'est pourquoi il y a certains gens, quand vous les voyez, ils vous motivent. Donc pourquoi? Parce que au fur et à mesure que tu regardes la personne, la vraie personne de toi, la vraie personne de toi, la personne t'a accepté comme tu es, mais il est prêt toujours à faire quoi? À réutiliser ta pensée. Pourquoi? Parce que c'est quand les gens vont meilleur sur toi, au contraire, la personne va avoir une qualité. La personne va avoir une qualité. Et l'exemple, c'est quoi? Quand tu écoutes le nom Nelson Mandela, qu'est-ce qui vient dans ta tête? La paix, la réconciliation. Quand tu écoutes le nom Hitler, qu'est-ce qui vient dans ta tête? La guerre. C'est la personnalité qui compte. Are you treated? Yeah. Are you seeing? Joseph. Are you okay? Alright. So, fais ta vie un message.
cher ami, à femme et l'âge. C'est la écriture. C'est la écriture. Il y a ça. Il y a un autre métier. Il y a. Et je dis, il y a un petit saïa, il est long tard derrière mon Dieu. À quel début tu as soif? À quel début tu as soif? Je veux que tu as soif. À quel début? À quel début tu as soif? Oh, 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 j'avais dit que tu viens vers moi et tu ne parles pas de la formation. Rien que mon regard, tu m'as préféré que je ne parle pas. On n'a plus rien à causer parce que je veux que ma situation change. Je ne suis pas fini comme un chercheur d'emploi. J'ai laissé un travail pour faire tenir et regarder. Pourquoi? Il y avait quelque chose que j'avais soif, j'avais besoin. Et comme tu dis souvent, le succès que tu cherches, tu cherches aussi. Mais pas cette personne de toi. Parce que cette personne de toi est trop pauvre. Cette personne de toi dort encore. Cette personne de toi est encore dans la procrastination. Cette personne de toi renvoie trop de choses. Cette personne de toi est mise à trop compter négatif de toi quand tu te décourages. Cette personne de toi n'est pas ici. Cette personne de toi est encore trop excitée avec la réalité de la vidéo. Cette personne de toi n'a pas encore la bonne maîtrise cette soir. Cette personne de toi ne connaît pas encore ce qui veut dire l'image de soi, l'idéal de soi. Cette personne de soi n'a pas encore ce qu'on appelle la compréhension de soi, l'acceptation de soi et la connaissance de soi. Cette personne de toi, ça va être un problème. Quand tu dis, devenir quoi? Le meilleur toi. Le péché. Aïe, ça, il y a des désirs. Comment tu as soif? Ça change. Il y a des choses à prendre qui te plaisent. Si vraiment tu veux donner une définition à ta vie, il peut avoir une chose qui te plaît. Tu as une jeune fille, tu peux avoir dit que la manière que tu cherches, n'importe quel garçon se passer devant toi. Parce que quand il va t'écouter parler, il va se mesurer que tu n'es pas son niveau. Pourquoi? Parce que quand tu parles, il ne voit pas une fille. Il faut être une future dame d'affaires. Tu sais qu'on t'appelle dame, ça change. Il faut une future dame d'affaires. Il faut une dame d'affaires que non. Celle-ci, non. Il faut te former mentalement avant d'avoir une conversation avec elle. Parce qu'il y a une manière comment elle voit les choses. À cause de quoi? D'où tu viens? D'où tu viens? Il y a une partie obscure de toi. Et cette partie obscure de toi, c'est cette partie-là où tu as été développé pour ressortir quoi? La vraie version de toi par rapport à ce que tu as envisagé. Tu refuses, je ne veux pas être n'importe qui. Tu refuses, je ne peux pas être n'importe qui. Tu refuses, c'est la lumière. Le Seigneur, tu seras le meilleur. Tu seras le meilleur. Chose que tu refuses, tu n'acceptes pas. C'est même dans ta formation, tu ne veux pas faire comme les autres. Dans ta formation, tu ne veux pas réfléchir comme les autres. Le pourquoi? C'est d'ici à là. C'est d'ici à là que ça change. C'est d'ici à là. Oh, ça va être. Il a dit, j'ai donné un sens à ma carrière professionnelle. J'ai eu tous les palmarès, tous les titres. Je veux prendre ça, aller donner ça à mon pays, le plus beau pays au monde. Et il dit, ma chère femme, je t'aime, mais j'adore mon pays. Lâche-moi aller réaliser ma mission. Ça va, tu te fais moi qui te j'ai quelque chose. Je veux de l'amour. Le plus beau pour le pion. Ah! Le ministre de la promotion s'arrête d'applaudir. Il t'applaudit. Aïe, yeah. Moi, je me lève, je m'acharne, je dis quoi? Pourquoi on est même dérangé quand on a les négatifs? Pourquoi on est même dérangé? Alors qu'on n'a même pas encore fait moitié de là où on part, on n'a même pas réalisé ça. Pourquoi on est même dérangé? Aïe, 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 aïe,
quand vous rentrez, dis à papa que il sera fier. Moi, particulièrement le domaine du football, je veux te le nommer. Et d'ici à moi, merci. 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 Ah! Tout le monde se lève encore! Il a dit, il a touché aujourd'hui, son excellence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à présent, vous êtes toujours le même. Je veux toujours être comme vous. Un jour, après l'hommage, je dis, grand frère, seulement donnez-moi, pas de consomme, chaussettes, donnez-moi vos chaussettes, sur vous. Il dit, le jour qu'il a mis les chaussettes avant de ses pieds, il a dit, il n'est plus la même personne. Il a dit, il n'est plus la même personne. Il dit, c'est comme il était. Et aujourd'hui, voilà l'évidence. Et il dit, son excellence aujourd'hui, merci grand frère, merci grand frère. Va donner ces choses-là. Parce que ça a donné, ça a ressorti une excellence, une nouvelle version de moi qui était cachée. Parce que chaque moment que vous voyez, quelque chose me disait que je peux faire mieux que ça. Parce que vous étiez ma source de motivation. Qui est ta source de motivation? Qui est ta source? Que le moment que tu te vois, tu es un peu en train de te délailler. De moi qui ne se repose pas. Ça veut sortir, mais je ne veux pas ouvrir la porte. Pourquoi? La paresse en moi. La paresse en moi. Je dors trop. Je dors trop. Je n'arrive pas à me discipliner. Il y a une version de moi que quand ça commence à me piquer, je suis mal à l'aise. Parce que je sais que la version actuelle n'est pas moi. Et cette version attend. Que je fais pas, il a naturellement des femmes avec quatre mains. Are you excited? Yeah! Et je dis, you may not do it correct now. Peut-être la situation actuelle où tu constates les difficultés, c'est un coup de main. C'est un coup de chien. C'est formation et l'étention. Chacun sait sa structure, tu connais ta réalité. Peut-être aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire pas bien. Continue à pousser. Continue à pousser. Un jour, tu vas faire bien. Étape très, très positive. Continue à pousser. Qui pousse? Ça n'a pas ce qu'on dit par rapport à ce que tu fais. Mal utiliser son talent, c'est que en se faisant ce talent-là, ça peut changer sa vie.
Non, ne me vends pas. Alors que tu vois ton talent, pour avoir un peu de talent, alors je peux être meilleur que ça. Mais comme il a bien dit, là où tout le monde se sous-estime, quand tu parles de toi par exemple, tu dis que tu lui as dit quelque chose, tu lui as dit quelque chose, c'est un environnement. Il a grandi avec cette voix, cette atmosphère là où il se sous-estime toujours. Ça, t'as dit. Yeah. Quel possible! Because you got the power. Les choses qui pour donner ce que tu fais, tu n'as pas encore bien fait. C'est quand tu n'es pas satisfait de ta situation que tu as. C'est qu'il se passe quoi? Il y a une force, une version de toi. Et ça existe. Mais il faut que ça sorte avant que ça se manifeste. Tu sais comment? Parfois tu dis ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas des mensonges. C'est une force qui parle. Et c'est une version de toi qui parle. Jamais, ça n'est pas tout le monde qui voit la plume, il dit que ça c'est ma voiture. Il y a ceux qui voient le cadenas et il dit que ça c'est ma voiture. Il y a l'autre qui voit la plume et il dit que ça c'est ma voiture. Il y a l'autre qui voit le jet privé, c'est ça qui est dans ta tête. Et un même grand philosophe parle probablement du casse-tête, il dit quoi? Tout ce que l'homme de magie est capable de faire quoi? De réaliser. Le fait que tu confesses, ça veut dire qu'il y a la force. Mais c'est comment tu es capable de bâtir ça. Quand j'étais à la Guinée, je ne me sentais pas satisfait. Mais je ne comprenais pas. Pourquoi? Il t'en a parlé. À ton avis. Il déjà pour la sortir. Tu veux faire ça. Il y a quelque chose qui te dit, je peux faire plus que ça. Je peux faire plus que ça. Je peux faire. Ça, c'est pas mon niveau. Certains, c'est des courage qui ne sont pas prêts à faire. Certains, là, ça vient, c'est la peur. Certains, ils et continue à pousser. C'est une version de toi qui cherche à trouver l'expression. C'est une version de toi qui veut créer une économie là où tu as appelé à être le gouverneur de cette économie-là. C'est une version de toi qui veut s'exprimer. Mais ça doit avoir l'atmosphère appropriée pour s'exprimer. C'est une version de toi qui te met mal à l'aise parce que cette personne connaît. Ce que tu fais maintenant, tu peux faire fois 10. J'ai une vision de toi. Et c'est ça, c'est ça. Et c'est ça, moi. C'est la parole que tu as déjà compris, moi. Et ça, c'est une manifestation d'une force. Il y a une force interne qui te met mal à l'aise. Qui est mal à l'aise. Qui te déteste même par rapport à ta situation. Qui te déteste. Tu es fâché contre toi parce que là il y a la présence de cette force, on appelle ça quoi? Anakasso. Il y a la force là qui te parle. Anakasso s'exprime. C'est que tu perds là, tu ne veux plus que ça. C'est que tu perds là, tu ne veux plus que ça. Réveille-toi, sois discipliné. Commence à te lever debout. Commence à te lever tôt. Commence à faire ton recrutement personnel. Cette force dit en dehors de recrutement collectif. Quand tu n'as pas de programme personnel. La force là, dans ta cachot. La force là qui va sortir quand il y aura la pratique. Parce que ça va te donner une connaissance empirique. Une connaissance qui pourrait te donner expérience. Tu dois bien te maîtriser par rapport à ce que tu fais. C'est un acacho qui parle. C'est un acacho qui veut trouver l'expression. Il y a une force qui te met mal à l'aise. Il y a une force qui te met mal à l'aise. Quand tu parles les accords bien reçus. Quand il parle, tu chicotes ta tête encore, tu baisses ta tête, tu dis quoi? Il me pose la parole. Tu peux faire plus que ça. Pourquoi? Il y a des gens, quand tu le vois parler, quand tu le vois s'exprimer, tu dis, pourquoi tu peux faire plus que ça? Mais dans la réalité, c'est le contraire. Cette force démarre, mets-toi au travail. Ça va sortir. Mets-toi au travail. C'est un enfant que je conseille souvent spirituellement dans la prière. Il est venu du cœur. Ça fait un an. Je suis un seul point de prière que je veux que Dieu réalise jusqu'aujourd'hui. Dieu me semble que vous êtes découragé.
et j'ai pris mon expérience pour éduquer l'enfant. Je lui dis, quand tu commences à faire la prière et tu veux créer une sorte de connexion avec Dieu et tu veux connaître Dieu bien, il y a un moment, il vient encore dans ta vie pour te montrer, te peux dire l'introduction de ce qui arrive. Et laissez-moi vous dire, parfois l'introduction, quand ça vient, ça peut même prendre ta tête. Parce que tu penses que Dieu y arrive. Alors que ça prend l'introduction. Ça prend l'introduction. Allez, ça vient. Yeah. Et c'est ça la personne. Quand Dieu vient comme ça dans ta vie, tu penses changement. Il vient pour m'annoncer la vraie date qui va venir. Et la vraie date n'a pas été en place. Mais reste consistant. Parce que quand il y a dans sa date, il va te rendre visite. Fais ce que tu veux faire. Fais quoi, il veut pas. Mais tu peux admettre qu'il ne vient pas. Parce que quand il vient, il confère que tu n'es pas prêt. Parce que quand l'opportunité n'est toujours pas quoi? La préparation. Le succès n'est pas quoi? Mais quand l'opportunité est toujours quoi? La préparation. Le succès est quoi? Tu ne cherches jamais être prêt. Moi, je vous demande donc pas faire. Fais même plus que ça. Fais même plus que ça. Ma prochaine ne tombe pas par toi. Vous n'y encore les efforts comme jamais. Formation de ta chose, tu vas aller partir fort. Prends une partie de toi. Fais continue à faire. Même quand tu as tout fait. Garantis que tu as fait ce qu'il faut faire. Tu as fait ce qu'il faut faire. Allah Kanso, d'accompagner une force within you. Attention, tu peux bouger. Il y a une force qui te dit vas-y. Ça va donner. Même quand le gouvernement vient, la force est vas-y, c'est même continue, chemin, continue, monsieur Mustapha, continue, ça va s'arranger. Tu n'arrives pas à expliquer. Mais à chaque mot que tu veux te déplacer, ça vient. Vas-y. Ça va s'arranger. Vas-y. Et parfois, c'est le message qu'on donne au soir. C'est le message que tu as donné, mes soeurs. Pour que les gens s'en conviennent. Vas-y. Exactement. Yeah. Some quit, not because they don't love what they are doing. They think they don't get the most needed attention. C'est un abandon. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ne trouvent pas quoi. L'amour dans la chose, la passion dans la chose. Mais c'est quoi? Il ne parvient pas à avoir assez d'attention de la chose. Sa façon qu'ils sont pas curieux, je me connais déjà encore. Ils ne sont pas attentifs. Et automatiquement, ils voient jamais les intérêts. Ils voient jamais les intérêts. Je descendais sur le terrain, je viens me proposer du travail. Je dis si j'y viens, tu me proposes du travail. Regardez, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. J'ai monté Tété, on me propose à moi le travail. Tété, tu me proposes un travail. Ça veut dire que c'est un asthme. C'est grave. Asthme, on me propose. D'après, c'est la marge. C'est grave. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est passé? C'est les entreprises qui me prennent ma peur pour venir faire le jeu. Et j'ai refusé. Cameroun, je ne fais pas. Si je fais un bon Cameroun, ça dépend de l'argent qui vient. Mais hors du pays, je suis brave. Pourquoi? Ils ont besoin. Les gens voyagent pour dire que je ne vais pas chercher. Mais je voyage parce qu'on a besoin. J'ai créé le monde qui attire. J'ai créé le monde que tu sais, les gens ont besoin de ce que j'ai. Mais il a fallu du temps. Il a fallu le découragement. Il a fallu la réjection. Il a fallu tomber à plusieurs reprises. Mais dans tout ça, on croyait au manager qui nous guidait. On croyait au manager qui nous guidait. On était ici. Travailler pour que la situation change. Et ça change. Aujourd'hui, quand je parle de moi, je fais le coaching. Quand je parle de ma gomme, je fais le coaching. C'est autre chose. La personnalité est différente. L'identité est différente. Mais il a fallu la réception. Tenez, regardez. Les
de blâmage. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. Quelle direction tu parles? Quand tu es ici, qu'est-ce que tu rêves? La grandeur de ta pensée, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Quelle version de toi tu es prêt à sortir? Production.
Il y a la clé de la bouche. Tu cherches le cours de la Tu cherches le cours de la paix, ça change. L'engouement. Il y a la clé du l'engouement. Tu cherches le cours. Tu es déterminé à réussir. Tu veux réussir. Tu veux réussir. Tu veux réussir. Tu veux que ta vie change. On se moque de toi parce que tu cherches la clé du succès. Et dans ce petit clair est managé par quoi? Par quoi? La plus grande clé. Et c'est la grande clé avec tout pour la porte principale. Parce que quand tu entres dans la porte principale, c'est là où il y a le bureau du centre. C'est là où il y a le voyage. C'est là où il y a le bureau du centre. Et tout ce qui fait la porte, ça règle. Mais quand tu es dans la porte principale, c'est pour que le peuple tu peux ouvrir la porte principale. Ça te dit que tu as aussi une notion des différentes clés. Voyage. C'est que tu cherches l'amour, c'est compte. C'est que les gens pensent que c'est difficile. Tu veux les faire comprendre que c'est bien ça. C'est que les gens pensent que c'est impossible. Tu veux les faire comprendre que c'est possible. C'est pour cela qu'on se moque de toi. Même ton dernier boulot que tu faisais, tu te sens pas égalé dans ces boulots. Tu ne vas pas. Parce que tu connais plus que ça. Mais tu sais. Je dois me développer sur quelque chose. Il y a mon autoconfiance qui est mort et dans ce même. Il y a certains marchés que j'ai peur à gagner. Parce que je n'ai pas cette autoconfiance. Laissez-moi vous dire, vous êtes à la vraie porte. Vous avez toqué la vraie porte. Là où on va ressortir la vraie version de vous. Une personne dans votre demande, en dehors d'être manager, quand tu veux gagner un marché, tu ne parles pas comme Jean-Baptiste. Tu parles comme manager Jean-Baptiste. Quand il dit pourquoi tu veux ce marché, c'est que tu dis dans deux minutes, c'est ce que tu es comme les gens qui venaient, qui parlaient, qui voulaient aussi ce marché, ils vont dire dans une heure et demie. Ils vont dire que ça c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il faut faire. Mais ils ne connaissent pas. Ça, ça fait partie de tes petits enseignements. La formule de plaisir, bref, plaisir et moi. Je ne sais pas que ça va me changer. Parmi les mille enseignements que tu as. Voilà, c'est pas ce que tu as changé. Pourquoi? Tu as vu la notion. Celles-ci, si j'enseigne comment tu peux savoir que tu as pensé positif, ils seront perdus. Celles-ci, si j'enseigne à la case, ils vont bien comprendre. Celles-ci, si j'enseigne une source, un dynamo, ils vont dire même pourquoi. Non. La forme, bref, précise, comme ça. Are you excited? Yeah! Tu sais que ça va être ça. Et quand tu fais, on te voit comme un déluge. Alors, c'est tenu quoi? Tenu! When you tell yourself you can, people will pay attention to you. Quand tu dis que tu peux, et tu es toi, et à la fin tu réalises, tu vas attirer les gens. Tu as quelque chose qu'ils ont besoin. Si vous êtes aujourd'hui à 16, j'ai quelque chose qui vous intéresse. J'ai quelque chose qui vous intéresse. Direct ou indirect. J'ai quelque chose. When you don't preach, make sure you are not where you must be. Même quand tu n'abandonnes pas, garantie, tu n'es plus à la même position. Même si c'est un changement mental ou son changement physique, garantie que tu n'es plus à la même position. Il y a quand même plus mentalement. Garantie ça. Garantie ça. Même quand physiquement il n'y a pas de résultat, même mentalement, tu n'es plus à la même position. Tu vas faire des choses comme tu voyais avant. Et c'est dit, entre parenthèses, new version of you that corresponds to your expression. Il y a une version de toi qui sait ce quoi? Une cohérence. Qui sait ce quoi? Qui va avoir une cohérence avec quoi? Avec une sorte de quoi? Un rapport avec quoi? L'expectation. Comme tu dis quoi? Parfois on supporte parce que l'expectation est grande que l'expérience. Il y a là où on parle, c'est très fort, c'est très grand. Que ce qu'on traverse, c'est trop petit. Monopole. Tu viens un jour comme ça, je suis démoralisé à cause des négatifs. Où bonne mon qui? Où bonne mon qui? Moi, non! Hey! Ça veut dire que je ne suis pas convaincu là où je vais. On ne marche pas à révélation. On est convaincu comme un. Notion du temps, on ne marche pas à révélation. Moi, j'ai toujours dit,
Cette somme ne sera pas n'importe quel endroit. Ça veut dire qu'il faut ça pour que les gens se regrettent. Mais quand ils se regrettent, il y a des gens qui ont prouvé qu'on a cru à la vie. Et c'est ça la vie. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui doutent, il y a ceux qui regrettent. Alors, si tu veux que je n'y a pas toutes ces catégories-là, la chose n'est pas encore assez réelle. C'est ça la vie. Il y a ceux qui croient, ceux qui doutent, ceux qui ont peur. Regarde ça, t'es. Moi, je t'aime. Mais on a fait avec ceux qui croient. Même quand le résultat n'est pas encore physique, mais ils sont sûrs que derrière le type ici, mon succès est garanti. Je crois. Pourquoi tu crois? Je crois. Pourquoi tu crois? J'ai déjà vu. J'ai vu avec les autres. Pourquoi ma part ne peut pas changer? Je crois. Come on, à this level, you are above natural. Et quand tu es comme ça, tu es au-dessus. C'est le négatif naturel. Et c'est la force de moi. Et tout l'amour qui vient. Et tout l'amour. C'est un stage pour toi. Négatif naturel. Et ma famille ne veut pas que je fasse. Ça à quoi c'était, tu dis quoi? Eh, je suis toujours de l'homme qui dit que ce qu'on fait là n'est pas vrai. Hein? Tu as quoi ce niveau? Non, tu es au-dessus de ça. Quand on dit négatif, c'est un négatif dans le personnel. C'est là que le négatif que quelqu'un va décourager, quelqu'un va dire que là-bas, on ne fait pas quoi, on ne paye pas, on abandonne. Et tu as bien touché ton argent aujourd'hui. Et tu descends sur le train, quelqu'un dit qu'on ne paye pas. Et c'est un mouton, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a mon argent, on vient de même pays. Tu ne connais pas que tu parles d'un mal. Aïe, c'est un. Aïe, vous souhaitez. Parce qu'il y a certains mensonges que quand on te dit, tu comprends que je n'ai plus le temps de casser mon énergie. Je viens de toucher mon argent, on ne paye pas. Alors que je viens de toucher mon argent. Tu dis non, madame, parce que tu es bon, tu n'es pas. Démarche! Incroyable! Parce que ce qui tire, ça n'a pas sa place. C'est un des deux choses qu'on ne paye pas comment. Et jusqu'à ça, c'est un salaire de l'âme, c'est. Parce qu'on va même payer. On paye 30 jours. On a menti. On doit dire qu'on paye 30 jours. C'est toi qui fais ça. Comment celui qui ne fait pas te décourage jusqu'à ça te dérange? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Tu ne connais même pas ce que tu fais. Il faut continuer à pousser. Ce qui est là, au top. Et il y a une bonne vibration. Il y a un bon avenir. Un bon futur. Au top. La manière que c'est qui courait. Toi-même, tu auras la liberté de choisir tes couleurs. Donc il faut pousser. Il faut pousser. Il faut continuer à pousser. Parce que la vie au double, le regard devant, c'est beau. C'est beau. Mais il y a un prix. On marche avec le pays. C'est quand j'ai un fou. C'est quand j'ai rien. C'est quand tu ne veux rien là où tu pars. C'est pas les produits derrière, ils trafiquent les drones. Pourquoi? Parce que c'est incroyable de croire que c'est seulement les produits. C'est quand tu es là que tu crois, c'est beau. C'est beau, mais ça demande seulement le travail. Believe in your effort, believe in the system. Crois à tes efforts, crois au système. C'est vrai. Exactement. Yeah. Voilà l'histoire d'un gars qui était trop fort au village. Et le chef avait dit, la personne qui va taper tout le monde sur le village, le plus fort, c'est lui qui va épouser ma fille. On a fait le combat jusqu'à, c'est resté 10. Et on devait voir qui va taper tous les autres 9. Et c'est la personne qui va marier quoi, la fille du chef. Et quand on arrive, à la finale, c'était à deux. Le
Les deux là, ils devaient même passer une, ils devaient plus se combattre comme ça. Mais on devait les jeter où? On devait les jeter là où il y a quoi? Les coquettes. Et la personne qui sort là-bas vivante, c'est lui qui va marier la femme du chef. Avec la fille du chef. Là aussi. Il y avait des gens qui n'étaient pas prêts. Mais il était parmi les gens qui ont arrivé à la fin. Subitement, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un le touche. Entre! Tu ne suis pas. Tu es au niveau de la finale. Pourquoi tu le fais? Entre là-bas! Il y a l'autre qui entre le corps. Tu prends pour toi. Ça devient sa part de l'autre. Et le corps, c'est comme ça que sur l'autre. Il y a l'autre qui veut m'entendre sur le gars avant la poussée. Il est toujours en train. Il est toujours. Subitement, il voit. Bam! Il sort là-bas. Vivant. Et quand il sort vivant, on lui dit: quel a été ton secret? Il pose la question. Qui m'a poussé? Il pose la question. Qui m'a poussé? Et la femme, je pousse. Il faut demander que ce soit mieux dans sa vie. C'est comme ça qu'on a donné la fille. Il a la république. Futur roi, le seul village. Et la femme, on le touche. Parfois, tu vas faire. Et tu ne veux pas faire, mais il faut faire. Parce que c'est dans cette mentalité là, dans cette atmosphère, que tu peux conquérir ta situation. Parce qu'il faut que quelqu'un te pousse. Parfois, t'as pas de pousse, mais de quoi? On te dit des choses que tu n'aimes pas. On t'insulte, on te parle mal. Quand tu sors du marché, mais tu fasses positivement. On t'a poussé. On t'a poussé. Parce que quand tu sors, tu n'es pas content. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi est-ce que tu me dis qu'elle me déteste? Mais je refuse! Dès qu'à ce stade-là, ça doit changer. Alors parfois, c'est des choses qu'on te dit qui ne te plaît pas. On te met toujours mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ça, la vraie version de toi, ne peut pas sortir. Il faut qu'on te pousse avant que la vraie version de toi sorte. Pourquoi? La vie, tu as appelé à continuer, à pousser. Jusqu'à, tu arrives. De cette destination-là, c'est incroyable, c'est incroyable. La vue est très belle, c'est attirant. Et c'est petit, est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prêt à travailler? Et ça a besoin de moi pour que tu puisses. Et aujourd'hui, je viens pour vous pousser. Je viens aujourd'hui pour vous pousser à arriver à votre destination. Je viens aujourd'hui pour vous pousser à réaliser vos rêves. Je veux aujourd'hui pour vous pousser et vous faire comprendre la vie est femme, est belle, est attirante, est là, est là. Excellent. On a poussé, on va chiller tout le monde à bord. Oh, alors on va chiller, 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 chiller. Venez, on va chiller, 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 chiller. Alors on va chiller. Chile, Chile, Chile. Venez, on va chiller. Chile, Chile.